Salut à tous et à toutes les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va essayer de trad ma jolie petite Queen Bee que j'ai eue au départ grâce à un petit T-Rex qui s'est suivi d'un dodo puis d'un Golden Griffin. Après je crois que c'était un Golden Dragon et ça s'est fini en Queen Bee. Enfin bref, donc aujourd'hui on va essayer de voir ce que les gens nous tradent contre cette petite Queen Bee. Donc on se retrouve tout de suite dès qu'on reçoit une petite trad. Donc je suis à l'école pour faire une action, il n'y a personne qui est venu me trad, donc on va essayer de passer en mode agressif, donc je vais trad des gens. Donc là j'ai trad une personne et elle me propose quoi? Une licorne néon. Alors imaginez, elle accepte, donc déjà elle a toujours pas refusé, hein. C'est déjà un point super positif, bon, en fait elle a refusé. C'est un peu normal quand même parce que bon, c'est quand même un légendaire néon, donc voilà quoi. Donc ensuite toi, qu'est-ce que tu me proposes? Alors, non, c'est pas gratuit. Non, un T-Rex Samurai, non, je sais pas, il a refusé. Donc, on va voir s'il y a d'autres gens qui viennent me trad. J'ai l'impression qu'il y a personne qui vient me trad, hein, c'est vraiment pour le coup. Bizarre. Le Kenji Kano, imaginez un Kenji Kano contre la Pumba. Voilà, je vais rajouter le kangourou parce que ça vaut pas, mais même avec ça, ça vaut largement pas du tout. Donc c'est un peu normal quand même. Donc on va trad de dead gens. Ouais, donc en fait, il y a perdu qui va m'appeler. Donc c'est bête, il est pas très recherché, on dirait. Oh, une tortue néon plein avec un chicken. Alors là-bas. On va accepter là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il nous propose après? On va tout de suite voir ça. Donc on va attendre, on va se poser là. Bon, on se retrouve juste après, dès qu'on a une petite trad. Hein. Voilà, tout de suite. Donc là, on a une petite trad. Oula, cette fois c'est un prof. Donc, je sais vraiment pas s'il va accepter. Non, il n'a pas accepté. On peut voir même que ce gars, il a énormément baissé. Parce que je me souviens d'avoir trad une fois. Il y avait plein de gens qui acceptaient contre des trucs bien. Il y avait même une fois, je crois, il y avait quelqu'un qui avait accepté contre un croc. Mais j'avais refusé. Parce qu'il avait accepté trop rapidement. Du coup, je m'étais dit que ça valait pas. Mais en fait j'aurais dû accepter parce qu'un croc quand même c'est beaucoup plus rapide que nous. Donc voilà. Il faut vraiment avoir de la chance avec ce pet. Je sais que la Queen Bee néon elle me met alors ultra cher. Par contre la Queen Bee normale, c'est pas exceptionnel quand même. Hein. Donc on va aller parler des gens. Vous pouvez voir qu'il y a RosyClean31 avec nous. Voilà, de la vidéo de hier, je vous invite à aller la voir, on a ouvert un bain aussi avec. Voilà, donc on va très bien voir s'il y a des gens qui viennent nous trad. Il y a personne. Ah, mais c'est parce que j'ai pas activé les trades, c'est pour ça. Ah, mais je suis bête, mais alors, mais voilà, il y a plein de gens qui viennent nous trad maintenant. Oh, je suis vraiment le pire. Oh non mais... Je suis vraiment, vraiment le pire. C'est vraiment... Bon, du coup, qu'est-ce qu'il m'en prend pas cette fois? Un albino monkey père, et déjà c'est un peu mieux quand même. Voilà. Donc, ouais, du coup, ça va être, je pense, un peu mieux. Donc, on va attendre un peu. Donc moi, je vais marquer mon petit trading lui. Donc il y a quelqu'un qui m'attrade. Donc on va bien voir. Trading lui. Voilà, ensuite on accepte la trad, je mets la petite Queen Bee, un autre avec non, alors là non, totalement non, en fait légendaire pirate qui est épuisé et quand même la Queen Bee, contre un monstre avec grippé, excuse-moi, mais bon ça ne vaut pas, donc ensuite qu'est-ce qu'on pourrait avoir, donc, je dois demander ce qui tirait le Kenji Kano en fait, voilà. Donc on va trader le parrot, on va
faire un petit commerce. Bon, il a refusé ma trade. Donc, on va accepter cette trade. Ah, mais en fait, il tire des bonbons, le Kenji Canon. Hein? En fait, c'est pas si intéressant que ça. Hein. Bon, je sais que c'est très rare. C'est un des premiers jouets du jeu. Mais par contre, ouais, c'est pas ouf. Parce que je crois en plus on peut ramasser que 5. Qu'on peut avoir que 5 bonbons dans son inventaire. Donc c'est pas ouf. Non, il est bien quand même. Donc moi je vais en ramasser quelques-uns. Du coup, voilà, je me fais plaisir. Comme ça, j'ai quelques petits bonbons dans mon inventaire. Attends, voilà, mon inventaire peut contenir que 5 bonbons, vous voyez, donc voilà. Donc, qu'est-ce que les gens me tradent contre ça? Bon, je m'amuse un peu. Donc, on va très bien voir ça. Donc, je vais rechercher le rond parce que je suis vraiment débile. Alors que ça m'a bien mis, je peux avoir que 5 bonbons dans mon inventaire. Bon, bref, donc on va se remettre sur les épaules de ma poulie et on va faire des trades. Donc, je vois qu'il y a un Golden Griffin Néon à côté. D'abord, on va trade, voilà, et on va trade le Golden Griffin Néon. Voilà, on va le trade pour voir. Est-ce qu'il va accepter? Ça, je sais honnêtement pas. Parce que c'est quand même le Golden Griffin quand même. Hein. Mais bon, Néon 4, voilà. Il a toujours pas refusé, déjà. Je sais vraiment pas ce qu'il va faire. Bon, il a refusé, au moins je l'ai accepté. Bon, ensuite, qu'est-ce que les gens veulent contre ce pet? On va trade le Parrot qui est là. Voilà, refusé. Ok, bon, il y a des frosts aussi. On sait pas. On va voir ça. On va trade le dodo aussi, tiens. Pourquoi pas. Donc je mets ma Queen Bee. Je mets son dodo, je suppose. Ah non, il a rien mis en fait, il a juste refusé. Bon, c'est pas exceptionnel quand même la valeur de ce pet. Hein. Il est pas ouf quand même. Il est bien, mais pas exceptionnel. Donc, ensuite on va trade celui-là. Parce qu'il saute comme quelqu'un qui est bizarre. Donc on va le trade. Qu'est-ce qu'il nous propose contre ça? Alors je préviens tout de suite, ce pet n'est pas un pet gratuit. Je veux bien parler pour la Golden Uni, Golden Dragon, Golden Griffin, mais là c'est la Queen Bee quand même. C'est pas un pet gratuit. Donc, faut savoir que les Golden en fait et les Diamants, on peut les avoir gratuitement en jouant tout le temps en fait, de récupérer des étoiles pour avoir des trucs. Moi je suis au Ginger Cat, je crois. Ouais, je suis au Ginger Cat. Donc, ben, je crois qu'il n'y a personne qui veut te surprendre quand même, hein, c'est bizarre. Hein. Bon, malgré tout, j'avais quand même refusé les trades au début, c'était un voilà quoi. Mais bon, de mon côté, je vais continuer à essayer la trade. Et dans une prochaine vidéo, je vous dirai si j'ai réussi à la trad ou pas. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé sur la valeur de ce pet. Et sur ce, ciao ciao!